chanter comme mon voisin. J'ai voulu flasher. Qu'est-ce à faire le fin? Qu'est-ce à faire le fou? Qu'est-ce à dire rien à ma parenté? Qu'est-ce à oublier quand j'étais chez nous? J'ai souvent pensé que c'est mon voisin qui mène le marché, qui m'amène mon pain, qui m'amène mes sous. Qu'est-ce à gagner moi? Qu'est-ce à m'incliner? I'm so sorry, même si j'ai bûché toute ma tête chez vous and just for you. Mais là, à l'avenir, m'en dit que ça me tente de faire mes affaires. OK! C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous et de pas me gêner pour dire que je l'aime et que c'est de même que ça se passe et que j'ai goût. C'est à mon tour d'ouvrir à du beau monde de partout. Les voleurs de riz sont bienvenus chez nous. Chers amis québécois et québécoises, veuillez accueillir Marie Chantal Perron. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Ce soir, c'est tout le Québec que j'invite chez nous. Chez nous, où la parole nous unit, où nous vivons à notre façon notre langue française, la langue de chez nous, celle qu'on barouette, qu'on bourrasse, qu'on bêche, celle qu'on casse, qu'on exagère, qu'on sculpte sans la blesser pour qu'elle nous ressemble. Je vous invite chez nous, où le joual de mon père embrasse les prières de ma mère, où les grands discours côtoient les calembours et la rime. Chez nous, où nos cœurs battent au rythme des chansons à répondre, où on parle en veillant sur le perron, où on polit le commérage, où on discute de cordes à linge et de sainte flanelle. Chez nous, je nous entends. Je vous entends. Et vous, m'entendez-vous? M'entendez-vous vous inviter chez nous, où notre voix porte des messages d'espoir, des messages d'amour, en lettres intimes ou en grandes aventures? Je vous invite chez nous, soyez pas gênés, entrez, entrez! La porte est ouverte, la table est mise pour un grand banquet, une belle veillée. Dites-moi, dites-moi, avez-vous envie de danser sur des musiques d'ici? Avez-vous envie de chanter des airs de chez nous? Ben vous êtes à votre place, vous êtes ici, chez vous, bonne fête nationale! Sentier pour mon propre bien, à mon propre goût. Et puis même si mon voisin rentre sans sonner, oui, tu sais, j'aimerais ça garder toutes mes clés chez nous. Ça fait que là, à l'avenir, on dit que ça me tente de faire mes affaires. OK! Oh,
Daniel Boucher.